Bonjour les chefs et bienvenue dans ma cuisine. Ça va ou quoi? Pour ce faire, vous aurez besoin de romarin, de 3 œufs durs, du sel, du poivre et à peu près 300 g des épinards et 500 g du poulet que je vais disposer sur une feuille de cuisson. Je vais assaisonner le poulet avec du sel et du poivre et je le mets de côté pendant que je vais faire revenir mes épinards. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser bien sûr les épinards décongelés. Les épinards, c'est fait. Maintenant on prend la viande. Qu'est-ce qu'on fait? Petite fourchette. Et on va commencer à étaler les épinards tout au long de notre poulet. Et on va couper en deux les œufs durs. Et pareil, on va les étaler. On ajoute quelques tranches de jambon et du fromage râpé. La farce est finie. Maintenant, on n'a qu'à rouler. On se lève. Voilà. Tu fais ce mouvement avec les pouces pour bien fermer. Et on va piquer pour que ça reste bien ferme de ce côté et de l'autre. Là et là. Et on va assaisonner à l'extérieur avec du romarin. Et maintenant on va transférer notre poulet farci dans la plaque de cuisson. On va rajouter un fil de l'huile d'olive et on va le mettre au four à 180 degrés pendant 30 voire 40 minutes. Et le voilà, notre rôti de blanc de poulet farci au four est prêt. Comme vous avez vu, c'est très facile, c'est rapide, plein de protéines. Essayez-le et partagez avec moi votre photo dans mon profil Instagram. Sur ce, bon appétit, ciao belli.